Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter tous mes produits à l'aloe vera. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand je vous avais filmé la vidéo haul spécial solde d'été, je vous avais dit qu'en fin de vidéo, il y aurait une seconde partie sur tous les produits que j'avais dernièrement acheté, tous les produits que j'avais dernièrement reçu. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui, mais pour que la vidéo ne soit pas trop courte non plus, j'ai décidé d'y ajouter la partie tous mes produits à l'aloe vera. Donc il y aura trois petite partie dans cette vidéo, les produits à l'aloe vera avec mes produits dernièrement reçus et mes produits dernièrement achetés. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et c'est parti avec le tout premier produit. Alors il y a un peu de tout comme produit. Je le prends dans l'ordre. Alors je précise que ce sont des produits à l'aloe vera bien sûr, mais pas que. Ce sont des produits avec des ingrédients entre autres, en plus de l'aloe vera. Je commence tout de suite avec ce petit lait énergisant. C'est un lait énergisant hydratant à l'extrait de cédra et à l'aloe vera de la marque Roger et Gallet Paris depuis 1862, comme ceci. Je l'avais reçu dans une box, laquelle je ne sais plus, mais je l'avais reçu par Birchbox. Et il y avait le choix, il me semble, avec entre celui-là ou celui à la rose ou au pamplemousse, je ne sais plus ce que c'était comme odeur. Et j'avais reçu celui-là, je m'y suis habituée. Au début j'aimais pas trop l'odeur, même si c'était au cédra, je trouve que ça sentait un peu fort, mais je m'y suis habituée, finalement je l'aime bien. Cette crème fait bien son job, elle est à base d'origine naturelle, natural, organic base, et c'est pour les peaux normales à mixte. Il hydrate pendant 24 heures et énergise votre peau. Enrichi d'un cœur d'huile végétale, passiflore, céréales, abricots et avocats, aloe vera et extrait de cédra. Sa formule légère et fraîche fond instantanément en eau. Votre peau est incroyablement douce et délicieusement parfumée. Contient 96% d'ingrédients d'origine naturelle et ça a été testé instrumentalement. Comme ceci, et bien sûr avec de l'aloe vera. Je l'aime bien et je l'adore. Je continue avec un produit de la marque Lait Bleu Petit Marseillais. C'est un lait hydratant formule haute tolérance, hypoallergénique, qui répare et qui apaise. Et vous avez 24 heures de confort. C'est pour les peaux sensibles et très sèches, des petits et des grands. C'est un lait pour le corps à base de sève, d'aloe vera et de calendula et qui se présente comme ceci. Alors celui-là je l'aime bien, je l'utilise surtout après la douche ou cet été lorsque j'ai eu les coups de soleil. Je l'ai mis et ça m'a bien rafraîchi mes coups de soleil et ça a évité que ma peau ne pèle et ça a bien fait passer mes coups de soleil en tout cas. Donc c'est une formule haute tolérance, hypoallergénique, testée sous contrôle dermatologique, au pH neutre pour la peau, parfum spécialement conçu pour les peaux sensibles. Et on nous dit que l'aloe vera puise toute sa force dans sa sève. L'aloe vera résiste à des conditions telles que la chaleur, la sécheresse. Cette force est puisée dans sa réserve d'eau, vitalisée et substance nutritive. Et je l'aime bien, elle sent super bon, elle a une super bonne odeur. Je passe, pour rester dans la même catégorie de produits, pour pas tout mélanger non plus, dans un lait, encore une fois, un lait corporel hydratant qui hydrate et protège pour tous les types de peau. C'est la marque Label qu'on trouve chez Intermarché, qui se présente comme ceci. Et cette fois-ci, il y a de l'aloe vera et de l'allantoïne testés sous contrôle dermatologique.
hydrate et adoucit instantanément tout type de peau. Et j'aime bien ce lait, il est frais, il est doux, il est pas gras pour la peau. Je l'aime bien, il est hydratant mais il protège et il adoucit la peau. Donc multi-action si je peux dire. Pour continuer dans les crèmes, je vous présente, je prendrai après la fin, Ambrolisse, vous connaissez sûrement la marque Ambrolisse, c'est un lait concentré crème, soin hydratant et nutritif, il est multifonction, il se présente comme ceci, le packaging est comme ceci, et pourquoi il est multifonction, la crème se présente comme ceci, il est multifonction parce que c'est une crème hydratante, une base de maquillage et un masque hydratant. Pour tous les types de peau, encore une fois, testé sous contrôle dermatologique. Pourquoi il est multi-action? Je vais vous le dire parce que, alors déjà sa composition, il y a de l'huile émolliente et association d'actifs naturels, du beurre de karité, de la cire d'abeille, d'aloe vera et protéines de soja sans parabènes. Alors on dit que il a un pouvoir hydratant et nutritif grâce à une association d'ingrédients, ce que je viens de vous dire. Et en effet, il est multi-action puisque je viens de vous dire qu'il est, il est possible de l'utiliser en crème hydratante, en base de maquillage et en masque hydratant. Franchement, c'est une bonne marque. Et sachez que ce produit-là est vite devenu mon petit chouchou de soin pour le visage, en tout cas. Et là, on nous dit aussi crème hydratante, masque de beauté, vous laisse un voile satiné, confortable même sur les peaux sèches, s'utilise aussi en souhait après rasage apaisant. Donc vous voyez qu'il est vraiment, vraiment multi-action. Si j'ai l'occasion, je vous en reparlerai dans une vidéo. Mais il est vraiment super ce produit. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le tester parce que vraiment, il est 100%. Moi, je l'adore et je l'adore à 100%. C'est vraiment devenu ma chouchoute, cette petite crème-là. Je vais passer maintenant. Alors, c'est pas une crème, c'est un gel de la marque Sobioéthique de Léa Nature, et je vous parle là du gel Aloe Vera Hydra, le gel d'Aloe Vera pur jus bio qui est hypoallergénique. Tout le monde connaît ça aussi, je l'ai beaucoup utilisé cet été sur mes coups de soleil et ça a été vraiment aussi un produit qui a vraiment fonctionné. Il est formulé avec 94% de pur jus d'aloe vera biologique, des gélifiants naturels et des conservateurs respectueux des peaux sensibles. Il est riche en vitamines et minéraux. Le pur jus d'aloe vera possède des propriétés hydratantes, apaisantes, protectrices et régénérantes. C'est un sérum de beauté multifonction pour le visage et pour le corps qui soulage efficacement de tous les désagréments cutanés du quotidien. Comme ceci. Et il est à base de 99% d'origine naturelle, il n'a pas de parabène, pas de silicone et il y a zéro parfum de synthèse. Bon, il n'a pas une odeur extraordinaire, il a juste l'odeur de l'aloe vera puisque c'est un pur jus d'aloe vera. Pour passer sur un autre produit, j'ai trouvé un dentifrice de la marque Colgate. Je ne sais pas si tout le monde apprécie ce genre de dentifrice, mais moi j'aime bien finalement de la marque Colgate. C'est les Natural Extract, Natural Extrait, donc fraîcheur ultime, qui est à l'huile de citron et extrait d'aloe vera, comme ceci. Vous voyez qu'il est quasi fini. Moi je l'aime bien parce qu'il a des petites particules qui permettent de blanchir les dents, de donner une haleine fraîche et de vous rafraîchir. Et là on dit sa formule exclusive contient des extraits naturels de plantes inédites et des minéraux pour une protection de la bouche au quotidien. Pour des dents et des gencives saines.
comme ceci. Je l'aime bien finalement, je sais pas si tout le monde apprécie qu'il y ait de l'aloe vera dans un dentifrice, mais moi, comme je viens de vous le dire, j'aime bien ce dentifrice, il est frais, il est naturel, et c'est tout ce que je recherche et dans un dentifrice. Et d'autres qui blanchissent les dents évidemment, mais celui-là je l'aime beaucoup. Et enfin, un produit pour les cheveux que j'avais aussi reçu dans une box, c'est de la marque Luxlist Scalp Care System Scalp Reviting. C'est un exfoliant scrub, exfoliant doux pour le cuir chevelu, qui se présente comme ceci. Et là aussi, entre autres, il y a de l'aloe vera. Il détoxifie, purifie, revitalise et rééquilibre le cuir chevelu grâce aux extraits d'herbes et de vitamines, prévient de la perte des cheveux en boostant la circulation sanguine en racine, régule la production de sébum et prévient des pellicules sans parabènes, sans huile minérale et sans sulfate. Et il y a aussi dans les ingrédients, j'ai vérifié, il y a aussi entre autres de l'aloe vera, enfin du jus d'aloe vera en tout cas, comme ceci. Et ça aussi je l'avais reçu par Birchbox. Je passe au dernier produit contenant de l'aloe vera que j'avais aussi encore une fois reçu par Birchbox. C'est de la marque Balance Me, c'est un natural skincare, c'est un skin serum en fait, un sérum à peau pour les peaux à imperfection avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle comme ceci. Si le focus veut bien se faire, je regarde dans le retour écran, voilà. Et là, bon ben c'est pas marqué en français hein, mais c'est pour les petits boutons ou pour les imperfections. Il sent super bon, il a une odeur fraîche et douce, il n'est pas gras. Et personnellement, il fonctionne vraiment bien pour moi. Donc si vous cherchez un produit, je vous invite aussi à aller sur le site de Birchbox. D'ailleurs, en barre d'infos, je vous mettrai le lien de parrainage, mon lien de parrainage Birchbox, pour que vous puissiez retrouver tous les produits dont je vous ai parlé. Et si ça vous intéresse, peut-être à vous y abonner. Je vais passer à présent aux produits que j'ai dernièrement achetés. Alors soit c'est soit les jours d'avant, soit les mois avant, soit les semaines avant, je ne sais plus. Bref, ça fait partie des produits dernièrement achetés. Alors en solde, pendant que j'avais fait mes soldes vêtements spécial été, j'avais été chez Kiko et j'avais trouvé, vous savez, des fois ils font des petits vernis à 1€, et du coup j'en avais acheté deux couleurs que je n'avais absolument pas. C'était ce petit mauve clair, pâle ou mauve clair comme ceci, à 1€ de chez Kiko Milano Nail Lacquer, comme ceci, ce joli petit mauve, si le focus vient se faire. Et ce petit doré vraiment très très léger, il faut le passer en deux couches parce que moi perso en une couche ça fait trop clair. Je trouve ces deux couleurs super mignonnes ensemble, elles matchent bien ensemble je trouve. Donc 1€ chaque petit flacon, hein. Ça ne m'a pas ruiné. Et puis cet été j'avais été au Gros du Roi comme vous l'avez vu sur ma chaîne, et j'avais acheté dans je ne sais plus quelle boutique ce vernis rouge de la marque Les Lolita by Cosmode. Alors je ne sais pas si on peut les retrouver ailleurs dans d'autres boutiques, je ne sais pas. Mais si vous voulez, c'est le vernis à ongles numéro 21, Rouge Start Made in France Cosmo Paris. Comme ceci. J'ai aussi acheté un gel antibactérien pour les mains de la marque Merci Andy. Je les trouve chez Monoprix. Vous avez vu qu'il y en a chez Sephora, il y en a chez Monoprix. Un peu partout maintenant, c'est ça qui est pratique. De la marque Merci Andy. Et j'ai pris l'odeur Flower Power parce que c'est une odeur que j'adore beaucoup. Avec le gel aussi à la cerise, parfum cerise, c'est deux parfums que je préfère le plus. Flower Power avec les petits graines bleues, hein, vous voyez, les petits points bleus. J'adore cette odeur fraîche, douce et délicate en tout cas. Pour passer aux soins visage, j'ai aussi acheté, qui est formulé sous contrôle médical, la marque Mixa pour les peaux sensibles comme ceci.
C'est une lotion, une micellaire plus précisément, pour le visage et les yeux à l'extrait de rose apaisant. C'est pour les peaux très sensibles et réactives qui nettoient, apaise et démaquille, hypoallergénique, qui est sans parabènes et sans alcool, et c'est vraiment ça qui est bien quoi avec Mixa. Pour les peaux sensibles et réactives, il aide à calmer leur réactivité tout en les nettoyant parfaitement. Et j'adore, elle est super douce pour la peau, elle n'est pas du tout agressive, douce, fraîche et qui vous laisse un teint frais finalement. On dit pour quel résultat, parfaitement démaquillée et nettoyée, la peau est rafraîchie et apaisée dans le respect de sa sensibilité. Elle est douce, souple et confortable, c'est vrai, je valide ce qui est marqué sur le packaging, mais vraiment. Ensuite, pour passer à au dernier produit dernièrement acheté, c'est une lotion que j'aime beaucoup aussi de la marque SEVR, c'est les laboratoires dermatologiques, Physiopure l'eau micellaire qui est au magnésium oxydant. C'est une eau nettoyante, démaquillante, pureté et douceur pour les peaux sensibles. Tout maquillage, même waterproof, qui est pour le visage, les yeux, les lèvres et qui est sans parabènes, comme ceci. Et j'aime bien aussi ce produit parce que il vous laisse une peau nette et oxygénée. Il est sans savon, sans colorant, pH physiologique, un parfum agréable et qui a été testé sur peau sensible sous contrôle dermatologique et ophtalmologique surtout. C'est un bon produit qui n'a pas une odeur de ouf, mais j'aime bien une petite odeur douce, agréable et qui vous démaquille vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est que elle est faite pour les yeux, les lèvres et le visage. Pour toute, vous n'avez pas besoin finalement de changer de produit pour démaquiller vos yeux et c'est quand même bien plus pratique. Et j'en arrive maintenant au dernier produit. Il me reste un peu de place, oui. Au dernier produit que j'ai reçu parce que j'en ai fait une demande sur leur site dans la barre contact, tu sais, vous savez, dans le formulaire contact. J'ai contacté les marques et ils ont bien voulu nous envoyer, parce que je n'ai pas été les seuls à les contacter, nous envoyer des petits tubes de testeurs de parfum. Là, c'était le parfum Flower Bomb de la marque Victor & Rolf, le premier parfum de Victor & Rolf, comme ceci. Alors, je n'ai pas les packaging, je n'ai pas les petits tubes de parfum parce que je les ai déjà testés et ils sont quasi finis. Mais je vous montre le petit livret qu'il y avait avec, comme ceci. Et le parfum, c'est un parfum à la rose, Centifolia au patchouli. C'est un bouquet de fleurs blanches, comme ceci. Et l'odeur est à tomber par terre. Premier parfum que j'ai reçu. J'ai reçu aussi ce parfum de chez Sephora. Là, j'ai tout gardé avec moi. Et je l'ai reçu dans une pochette comme ceci. Et le flacon de Victor & Rolf, je l'ai reçu dans une pochette comme ceci, sauf qu'elle était rose. Ça, c'est le parfum de chez Sephora, offre exclusive Sephora, c'est le Arizona, vous savez celui-ci. C'est un parfum Proenza Shoulder Arizona, la nouvelle eau, de parfum. L'odeur sent encore, l'odeur est divine. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne l'ai pas encore entamé, mais vous voyez le petit livret avec le petit flacon se présente comme ceci. L'odeur est juste oufissime, mais vraiment, l'odeur sent encore dans le petit. Je vais vite le refermer pour garder l'odeur, mais vraiment, l'odeur est oufissime. J'adore. Pour en revenir dans mes produits reçus, j'ai reçu aussi de la marque. Là, c'est dans les crèmes, hein, plutôt les soins visage, encore une fois, pour y revenir. De la marque CeraVe,
ce genre de petite crème dans une pochette. C'est une crème pour les peaux sèches qui est sans parabènes et sans parfum, qui est non comédogène et qui est hypoallergénique. Et il y a trois actifs dans cette crème. Il y a beaucoup d'avis positifs, je ne l'ai pas tout à fait testé, donc je ne peux pas vous en parler vraiment. Je le ferai un peu plus tard. Il est aux trois céramiques essentielles et acides hyaluroniques qui réparent la barrière cutanée et hydratation continue. Et il est recommandé par les dermatologues aux USA apparemment. Comme ceci. Et j'avais reçu aussi de la marque Vichy Laboratoire une acide hyaluronique comme ceci. C'est l'Innovation Minérale 89 avec 89% d'eau thermale minéralisante de Vichy, de l'acide hyaluronique hautement concentré qui hydrate, qui repulpe et qui fortifie. Et qui là aussi est testé, c'est une formule hypoallergénique sans silicone, sans parabènes, sans parfum ni colorant. Et ça aussi, j'avais fait une demande sur leur site parce qu'il y avait des posts Instagram là-dessus et j'avais reçu ce petit extrait pour le tester. Comme ceci, je vous la montre en grand. Et est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Non, là c'était tous les produits. J'ai fait le tour de tous les produits que j'ai achetés, que j'ai reçus. Et tous mes produits à l'aloe vera. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous vous servez d'un des produits, d'un ou plusieurs des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Si le cœur vous en dit, ça me ferait énormément plaisir. Je vous invite avec grand bonheur à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes. Et information importante, une fois que vous êtes abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite clochette pour activer les notifications. Dans le cas contraire, vous risqueriez fort de ne pas être au courant des vidéos qui sortent dans le futur sur ma chaîne et ça serait dommage pour vous. Donc n'oubliez pas, petit pouce bleu, vous abonner si le cœur vous en dit et surtout petite cloche pour activer les notifications. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous invite aussi avec grand plaisir à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux tels qu'Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, pourquoi pas si ça vous dit aussi, et Snapchat, c'est le tout dernier que j'ai installé, mais il y a un petit moment de ça déjà. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve mercredi pour une vidéo ASMR. Vous avez vu que je ne vous en ai pas tourné auparavant, je n'ai vraiment pas eu le temps, j'étais en réunion deux jours cette semaine, donc j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo ASMR, mais je la ferai la semaine prochaine. En plus là c'est la feria, donc c'est pas possible de tourner, il y aura trop de bruit, mais je vous la ferai pour la semaine prochaine. En attendant, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.